Asseyez-vous confortablement, votre stream va bientôt être uploadé. Salut les gars, donc on va continuer la session. J'allais dire d'hier, mais dans on est sur internet, donc il n'y a pas de date. Ouais, voilà, donc je continue le stream sur Godfall. J'ai rejoué un petit peu entre temps, juste pour finir ma mission. Alors, ce que j'ai cru comprendre sur la map, est-ce qu'on peut l'avoir là maintenant? On peut pas. J'ai cru comprendre sur la map, c'est que. Alors là je vois que déjà ça manque un peu de fluidité, juste baisser encore un truc ou deux. Ah c'est chiant hein, de devoir baisser alors que quand je stream pas je peux tout mettre à fond. Je vais sûrement prendre un deuxième PC avec un bon processeur pour gérer le stream. On va enlever ça et enlever la qualité du feuillage, enregistrer. Même si là il n'y a pas de feuillage. Alors les maps sont immenses. Au début, quand tu fais le tuto, c'est un couloir, donc c'est que des couloirs. Alors que, en fait, la map, elle est assez immense. Et ce que j'ai compris, c'est que, bah, par exemple, dans un monde, t'as plusieurs points où tu peux pop.
faire des missions dans cette map, mais en fait c'est la même map. C'est ce que je crois comprendre. Et c'est vachement grand, il y a beaucoup d'embranchements. Donc du coup, l'exploration, elle y est quoi. Prends ton plaisir à explorer, il y a la récompense d'exploration avec avec tout ce que tu peux trouver en collectible. Et voilà. Donc c'est cool. Donc là j'ai eu trois armures. J'ai pris celle-là. En fait, je commence à capter. Donc celle-là, c'est poison. Donc il faut avoir le build poison qui va avec. Il faut avoir les armes, tout l'équipement poison. Celle que j'ai sur moi, c'est du dégât. Alors en fait, là j'appuie colère d'argent. Voilà, là on voit plus 10% d'infliger du dégât de saignement. Donc en fait, c'est tout ce qui est dégâts physiques et dégâts de saignement. Et si on va dans armurerie, là. Pourquoi ça se voit pas? Il n'y a pas écrit. Normalement, là par exemple, sur un objet, il y a écrit DPS feu. Ah si, regardez. 40 de dégâts, DPS feu. DPS physique, DPS terre. Alors le poison, ça va avec DPS terre. Bon. J'aurais bien aimé la mettre celle-là, mais le problème c'est que pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup joué, je suis obligé de mettre ce que j'ai de mieux. Donc là, on dirait un peu l'armure du bélier dans les Chevaliers du Zodiaque. Et elle est cool. Mais pour l'instant, celle que j'ai de mieux, c'est celle que j'ai sur moi. Voilà. Donc là, ah, par contre. Pardon. Voilà. Là, je vais baisser le son un peu. Voilà. Là, je dois aller tuer le boss, je pense. Donc j'ai clean le début de la map, comme j'ai dit, et je vais y aller. Voilà, donc j'ai dû payer une certaine compo. Elle va m'activer la map. Voilà. Donc en fait, je pense que là, toute cette zone, j'ai l'impression que c'est la même map. C'est la même map parce que j'ai l'impression que je pouvais pop ici. Et quand je me baladais, je me retrouvais dans les mêmes endroits que si j'avais pop ici, mais vachement loin, quoi. Donc là. Je vais y aller, hein, de toute façon. Je commence à comprendre un peu. Donc, voilà, là, par exemple, sur cette quête. On dirait que c'est une quête de boss. C'est une quête de boss. Je peux gagner 5 aciers draconiques. Donc, ça, j'en ai vraiment besoin avec les cœurs de Valor Plate. Pour acheter les armures et pour améliorer les équipements dans les derniers à la forge dans les dernières améliorations en fait. Par contre, je sais j'ai vu que enfin faut que je fasse gaffe à pas tout claquer mes compos parce que donc je sais pas si je peux arriver à évoluer dans l'aventure sans trop claquer de compos ou si c'est tendu et je suis obligé de tout claquer, améliorer ce que j'ai et quand j'aurai meilleur, je vais les améliorer aussi avec ce que je farme, quoi. Alors. Alors, je crois que Macro, c'est mon refrain. Et, oula. Ah ouais. Magnifique. Alors ce coup je l'aime bien, il fait grave de dégâts. Alors l'épée, celle-là je l'ai pas encore testée. Parce que en fait elle va bien avec mon perso je crois. J'avais une épée, une double épée de lame, mais pour dégâts de gel. Donc je l'ai montée en légendaire. Mais en fait j'ai pas la valor plate, donc l'armure pour les dégâts de gel. J'ai pas le stuff qui va avec non plus, donc je profite pas vraiment des dégâts, des bonus de dégâts, donc j'ai pris ce qui correspond plutôt à l'armure que j'ai. Oula oula oula. Ah merde, je suis mort, mais je pensais que le soin s'activait tout seul. C'est bizarre. D'accord. Je pensais que le soin s'activait tout seul quand j'avais plus de.
HP. J'avais eu cette impression sur des fights. C'est pas grave. Je monte mon truc avec ça. Ok. Et après, je le claque parce que j'ai l'impression que ça fait vachement du dégât ça. Voilà, et après je reprends mon épée normale. J'esquive, j'esquive, j'esquive. Je me mets pas dans la E. Le bouclier, je vais le balancer. Alors là, E avec la massue. Pour monter ma massue, j'esquive. Bon, si c'est ça la pattern, ça va. Non, là, je l'ai pas. Donc, coup léger, coup léger, coup léger. Ok, je pourrais me tourner instantanément. Hein. Ok. Ah oui, donc j'ai deux petites phases. Le petit carré blanc là, c'est merde. Donc là, ça marche pas. Et donc là, je vais lui balancer mon bouclier. C'est pas up. Et là, c'est up. Ah, ça fait rien. Ok, faut casser ça. Ok, bah ça sert à rien ce qu'il fait. Ah, il se régène, non? Tiens. Ok. Je soigne. Change d'épée. Ulti. Et là, il me fait tomber des AE du ciel. J'ai claqué mon ulti. Non! Ah. Non! Les gars, je l'avais tué! I'm sorry. Bon. Dommage, en tout cas, j'ai capté un peu, mais je rentre un peu dans l'art. Je pensais le tuer, quoi. Mais ça va les PV là. Non, fais pas le malin. Oh, ils sont cool hein. Je recommence pas tout. Un peu simple. C'est pas punitif quoi. Merde. Là. Je me soigne. Je dégomme. Là, je l'ai tué, non? Oui. Finish him. Joystick droit. Et boum. Bon, ça fait vraiment God of War. Les animations, elles sont pas aussi ouf que sur God of War. Hein. Mais. Quintessence primitive. Alors, ça se pourra. Mais. Oh! Oh! Gros marteau légendaire. Donc, ça, c'est super cool. Retour au sanctuaire dans 7 secondes. Donc là, je peux, y a rien à, y a rien à explorer. Donc on va regarder le stuff, l'armurerie. Alors le petit marteau là, c'est quoi? C'est un dégât de terre. Donc ça, c'est très bien pour l'aspect poison. L'aspect poison, est-ce que j'ai envie de l'enfiler? Ça me donne énormément envie de l'enfiler. Parce que elle, lui, il n'est pas amélioré. Il est déjà level 58. Enfin, il est level 9 avec 58 de DPS. Mon marteau, il est level 7. Alors qu'il est amélioré 4 fois. Avec 54 de DPS. Donc je pense que je vais aller me respé. Changer. Ok. Alors, les compétences, par contre, pour l'instant. Chaque compétence peut être améliorée 5 fois. Ce qui fait un sacré. Un nombre de builds possible parce que dans des améliorations bah, ça débloque des nouveaux talents, ça débloque des nouveaux trucs, donc ça fait une grille vraiment monstrueuse de possibilités en termes de build.
Alors, breloque, j'en ai looté une. Donc là, c'est pareil, hein. Vitalité, esprit, esprit, puissance. Donc en fait, faut pas vraiment tout vendre à l'arrache parce que selon, ben, pour remplir un build complet, vu qu'on peut améliorer tout à la forge, pour l'instant, je vends pas tout. Surtout que les sous, c'est pas ce qui me manque, hein, pour l'instant. Après, j'ai vu qu'il y avait certaines compos qui pouvaient être récupérées en recyclant, ben, des items. Donc là c'est vitalité avec les ennemis proches lorsque vous utilisez la pierre de vie avec 5% d'infliger gel. Gel, c'est plutôt avec l'armure. Laquelle? Celle que j'avais juste avant. Donc c'est pas celle que j'ai maintenant. Donc ça, 15 boucliers. Poison. Donc ça là, par exemple, je peux l'améliorer. Poison. Je vais pas l'enfiler tout de suite. Je vais pas l'enfiler. Je vais arrêter de copier le stuff quand je change d'armure parce que du coup. Il faut que ça soit carré. Donc là, par exemple, si je prends ça. Voilà. Lui, la double lame, c'est pour du gel, donc ça sert à rien. On lui met la massue poison. Et en plus, c'est la massue qui va avec. Et oui, le skin y correspond, les gars. Donc là, c'est super cool. La breloque, hein, j'ai looté. Donc la breloque gel, elle est plus valable. On va mettre une breloque poison. Voilà. Est-ce que j'ai ma deuxième arme? La deuxième arme, elle fait poison. Mais deux marteaux, ça sert un peu à rien par contre. Là, j'ai une arme d'ast. Ouais, mais est-ce que c'est cumulable? Parce que là, j'ai 9% de chance de coup critique. Là, j'ai 9% de chance de coup critique sur les deux armes de droite. Hein, regardez. C'est pas mal. Parce que. Ah, mais là aussi. Alors que c'est poison. En fait, entre celle-là et celle-là, il n'y a aucune. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, je dis n'importe quoi, les gars. Là, j'ai 38% de chance. 38% de dégâts sur les ennemis atteints de saignement. Non, donc ça correspond pas. Fureur, ça correspond pas. Voilà, c'est celle-là. 5% de chance d'infliger poison, c'est celle qu'il me faut. En deuxième main, en fait. Regardez si j'ai pas mieux. Mais celle-là? Ah non, c'est la première que je raconte. Je suis mal réveillé, donc bon non. Ça c'est l'arme de lame pour dégâts de gel que je vous ai parlé. Choc. Attaque polarisée. Alors DPS feu, DPS eau. Ok, non, c'est celle-là. Donc celle-là en deuxième main. Donc là, poison, poison. En collier. Vitalité. 15% de dégâts sur coup critique. Saignement. J'ai pas mieux. Ça, c'est de la merde. Et tout le reste. Je n'ai pas. Alors, le vendeur en vend. Hein. Je vais vérifier s'il me vend pas un truc. Mais pour l'instant. Je vais pas changer. Hein. Si, parce que celle-là, elle est level 7. Elle a amélioré deux fois. Et elle est 44 de. Alors, là, j'ai 15. Restore 15. À chaque fois que je fais un coup critique, et 17% de dégâts sur les boucliers. Là, je gagne 20 en hyper santé, donc c'est une barre de vie supplémentaire lorsque j'ai fait qu'une percée sur un ennemi. Ouais. Et 15% de dégâts coup critique. Bon, c'est pas énormément de différence, mais vu que je peux l'améliorer, je vais gagner en puissance. Donc je vais l'enfiler. L'enfile, et je vais aller l'améliorer. Alors, les bagues, les anneaux. Les anneaux. Dégâts de poison. Magnifique. Donc ça là, elle est très très bien. Bah, je pense que je vais être stuff dégâts de poison. Hein. Et celle-ci. Non, est-ce que j'ai du dégâts de poison en anneau? Bon, après, j'ai que du verre. Hein. Dégâts de feu, dégâts de points faibles. Le verre, je peux l'améliorer. Hein. Et j'ai pas l'impression. On va laisser comme ça. Hein, parce que j'ai pas de. Par exemple, celle-là, elle est level 7. Là, j'ai une level 10. Je vais prendre la level 10 que je vais améliorer plutôt. Voilà. Et là. Alors ça c'est quoi? Pierre de vie. Je crois pas que j'ai mieux. Ah non. Attends, ouais. 167. Bah voilà, dégâts de feu. Ça correspond pas en vrai, les gars. Dégâts de terre. 46% de dégâts de terre. Et non, il faut que je l'enfile. Parce que je gagne 40% de dégâts de terre alors que mon arme et mon stuff c'est sur du dégâts de terre.
Si les pourcentages sont cumulables d'une façon exponentielle, parce que là, les dégâts de feu, ils me servent à rien. Ah oui. Donc je vais prendre celle-là qui est level 6 et la mettre. Ah, mais elle est que level 6. J'ai mis, je suis un peu deg. Les bannières. Père santé, père santé. Donc pour l'instant, 40% sur l'ennemi atteint de saignement de gel. Et ça, c'est sur brise-arme. Ah. Mince. Bon, là, j'ai pas ce qu'il faut. Je vais garder ça parce que je n'ai pas ce qu'il faut en poison. Mais allez voir le vent. Bah, il faudrait que je l'enfile. Ce que j'ai fait, j'espère que je dois pas tout recommencer. Voilà. Là, le vendeur, il est où? Là-bas. Va aller voir si il me vend pas. S'il met à jour son. Est-ce qu'il vend? Je sais pas. Ah, il me félicite d'avoir tué le boss. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, le chevalier du. Ah là là. Avec les deux points sur la tête. Chevalier du bélier, les gars. Ah, seconde, pardon. Oui, mon pote. Qu'est-ce que tu me vends? Alors, est-ce que t'as renouvelé les trucs? Level 60? Ah ouais, il a renouvelé, les gars. C'est du level 16 là qui me vend maintenant. Le prix, c'est pas le même. Alors. Là, c'est 151 sur du dégât de vide. Franchement, je vais pas tout acheter pour rien. Je vais tout. Ah, si c'est pour sur poison, j'achète, sinon c'est pas la peine. Je pense. Il n'y a pas poison. 5% de charge de bouclier lorsque vous effectuez une parade. Ça peut être pas mal si c'est mieux que ce que j'ai. Oh là là. Ce qui est bête, c'est qu'on peut pas comparer, non? Pas comparer, les gars. On devrait pouvoir comparer à partir d'ici. La breloque. Level 16. J'ai rien de level 16. Bannière. Sur 23% de chance d'infliger une altération. Ça, c'est très intéressant parce que les altérations, ça peut être le poison. 46% de dégâts pour chaque altération infligée à l'ennemi. Parfait. Très bien, celle-là, je l'achète. Ensuite, non, ça non. 4 heures. Oh, ça y est, il en vend. Ça y est, les gars, il en vend. Par contre, c'est pas donné. C'est du level 16. J'ai pas mis d'amplificateur sur l'armure. Bah pour faire son build, ça prend du temps. Alors, celle-là. Feu. Résistance feu. Bon, celle-là, elle a l'air pas mal. Lorsque vous triomphez d'un ennemi avec un coup pétrifiant, créez une terre sacrée qui restaure 9 de santé par seconde à vous et aux alliés proches. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas pour une spé soutien? 17% de dégâts de colère d'archon. Bon, de toute façon, ça doit être sûrement mieux que ce que j'ai, je vais l'acheter. Et on trouve une poison. Celle-là, elle est pas mal, hein. Celles qui sont dessus là, elles sont pas mal. Et combien je peux en mettre dans l'armure? Bon, il y a un petit temps d'adaptation. Alors, c'est du niveau 60, level 16, on est d'accord. DPS terre, niveau 60, dégâts de feu. Une épée à deux mains. J'aime pas les épées à deux mains. Oh. Dommage. Dommage. Plus 63% de dégâts frappe éclair sur les ennemis. Ils possèdent toute leur santé. 60 DPS terre. On va vérifier. Moi j'ai 46 sur DPS terre. Et à 5% de l'effligé imposant, on s'en fout. L'autre elle est mieux. Je vais l'acheter. Voilà. Et celle-là, je pense qu'elle est d'actualité toujours.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais l'acheter, je vais l'améliorer, la comparer avec celle-là, voir si je vais la, avec lequel je vais jouer. Je suis dégoûté. Il me donne une arme qui est directement obsolète. Je sais pas. On va commencer par ça. Donc c'était DPSTR, celle-là, je l'achète. J'enfile. Je l'enfile par rapport à ça. Attendez, celle-là. Non. On place celle-là. Donc, les gars, je vais l'améliorer à la forge, ici. J'améliore. Assez solaire. C'est pas donné, hein. J'améliore. Ah non, des essences incarnées, j'améliore plus, j'en ai plus après. Non, j'améliore plus, c'est bon. Donc, 66, 58. Avec quoi je joue? Alors qu'elle est améliorée que 2. Là, elle n'est pas améliorée par contre. Je peux l'améliorer. Je vais voir combien ça me coûte. Alors, je peux pas l'enchanter. Par contre, attendez, 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 attendez. Là, je peux l'enchanter, celle-ci. Ou pas? Allez. Enchanté. Voilà, je la transforme en épique. Et là, on passe à 76. Ah, plus rien à voir. Acier draconique, je les bousille tous. Je sais pas si je fais ça. Pourquoi pas? Économiser mes aciers draconiques, les gars. Et je vais jouer avec l'arme qu'ils m'ont donnée. C'est vrai que là, je ferai grave de dégâts, hein, surtout qu'elle n'est même pas améliorée, elle est que épique. Mais je pense que mon marteau peut faire le taf, non? M'ont donné un marteau épique. Un marteau légendaire, ça sert à quoi alors si je peux pas jouer avec? Donc je pense que je vais juste améliorer le marteau. Voilà. Ça me coûte que 200, ça mange pas de pain. Là, ça me coûte 5 aciers solaires, on y va. Là, par contre, je ne le fais pas. Je le fais pas. Je vais améliorer un minimum et avancer comme ça, voir si ça passe dans les tableaux. Ok. Donc la pierre. Là, je suis sur un dégât de terre. 93 de dégâts. 93 avec 46% de dégâts de terre. Est-ce que le vendeur me vend mieux sur la pierre de vie? 151. Ah ouais, 93, 151, ça n'a plus rien à voir. C'est ma régène en fait. Ouais, mais 46% dégâts de terre. En ce moment, non, je la prends pas. Parce que 42% dégâts de vide, je m'en fous, je suis pas spé vide là. Et lorsque j'aurai le stuff spé vide, peut-être qu'il me vendra des items mieux que ça. Anneau. Donc je vais regarder ce que j'ai. Anneau, j'ai quoi? J'ai du 52 en puissance. Avec du 23 sur dégâts empoisonnés. 52 en puissance. Level 10. 46 en puissance. Ok. Lui me propose quoi? 52 et 46. Donc là, il y a du 58. Je peux remplacer la 46. Ce que je vais faire. Mais attendez, parce que... Elle me donne quoi, la 46? Non. Elle me donne rien de spécial, rien de poison, donc je la remplace. M'en fous. J'ai acheté la meilleure de 46 là pour l'instant. Là, c'est pas de 58, pardon. Donc, test de recharge de bouclier, ça m'intéresse pas. Je pense pas tout le temps à l'utiliser. Non, 25% de dégâts sur ennemi atteint de malédiction. Donc, ça, c'est pour l'armure de Sparda. J'appelle comme ça, moi. Ça a l'air pas mal. 16% sur point faible, ça a l'air pas mal. La colère d'argent, je la claque pas tout le temps. Malédiction, j'ai pas de malédiction, donc c'est celle-ci que je vais prendre. Voilà.
J'enfile. Par rapport à la bleue. Parfait. Parfait. Je vais pas recycler le stuff avec vous parce que ça prend du temps, on s'en fout, je le ferai plus tard. Pas en manque de compo. On continue juste ben, mon build quoi. Donc là, j'ai 46 avec 5% de chance d'infliger du poison. Je pense que j'aurais mieux avec lui. En breloque, c'est ça. 58. Avec les ennemis, 24. Ennemis percés. Le meilleur, c'est là, ouais. La percée, c'est. C'est. Je tape ou lourd. Ok, j'enfile. Bloc. J'enfile. Et en plus, ils ne sont pas améliorés. Hein. Voilà. Et après, je vais améliorer. Alors, ensuite, pardon. L'armurerie. J'étais à breloque, maintenant amulette. Amulette, j'ai du 44. Et tout ça, c'est de la merde. Hein. Franchement, du level 3, je sais pas que je vais recycler. Hein. Tiens. La merde. Jamais les améliorer. Alors, si un cadenas, c'est qu'elles sont dans, elles sont dans un de mes 7. Ok, donc j'ai 44 de vitalité, 15% de dégâts. Et là. On est sur l'amulette. Il me propose mieux. Là, c'est 58. Dans tous les cas, il est mieux que la mienne. Puis au moins, ça sert à quelque chose de farmer les golds dans les jars. Hein. Ok, la bannière, je regarde directement. Ça, je l'ai déjà fait. Et l'amplification, j'ai déjà acheté aussi. Donc maintenant, on peut enfiler tout. Armure. On va sur amulette. Enfile ma nouvelle amulette. Oui, monsieur. La bannière. Alors, la bannière, moi j'ai. Je l'avais acheté, mais je l'avais pas mise. Oui, pour l'altération, elle est top celle-là. D'ailleurs, faut que je pense à l'utiliser. Ça, je. Merde. Là, je daze. Ça, level 7. Ensuite, amplification. Je vais les mettre. Je vais les mettre. Hein. Non, amplification, c'est pas ici. Hein. Là, c'est ce que j'ai en stock, mais c'est pas d'ici. C'est pas ici qu'on les met. C'est là. Par contre, j'ai pas trop compris comment ça. Est-ce que je peux les enlever après? C'est ça le truc. Lorsque vous triomphez d'ennemis avec un coup pétrifiant, créez une terre. Bon, ça, on va le mettre. Mais je les ai pas améliorés. Est-ce qu'on peut les améliorer? Je sais pas. Je les ai enlevés, les gars. Déjà équipés. Si, on peut les enlever ou pas? Je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'on peut pas les enlever. Je vais voir si je peux les améliorer d'abord. Ah oui, elles sont équipées, je peux les améliorer. Ok. Donc, améliorer. Ça me coûte 300, j'améliore. Ça, c'est bon. J'en ai un peu. On est 100, on va pas faire le radin. Là, par contre, non. Ça, c'est une compo qui m'a l'air tendue, tendax. Donc, je n'améliore pas. Ça, je vais l'améliorer aussi. Ah, acide draconique, c'est pas de la merde. Je l'avais déjà amélioré. Donc, je vais pas l'améliorer. Non, non, là, ça me prend trop de compos pour un truc level 10, alors que maintenant, je peux acheter du truc du level 16, etc. Donc, non. Dans application, je peux en mettre. Ah, une autre. Pour l'instant, j'ai que deux emplacements. On va mettre celle-ci. Voilà. La forge. On améliore. La pierre de vie. La pierre de vie, celle qui est équipée. Level 93. On la monte à 98. Pour pas cher. Acier solaire, on s'en fout. Et là, non. Les anneaux. Ah ouais, je pourrais pas tout améliorer. Hein. C'est pas parce que je vais améliorer une pièce ou deux que ça va changer quoi que ce soit en vrai.
Donc autant garder mes compos. Alors, la level 16, elle n'a pas été améliorée, c'est sûr. À part, hein, j'ai 10 000, mais là, ça coûte quand même. 1 000 l'amélioration, bon. Les sous sont là pour ça. Et là, on arrête. Et celle-ci, je pense que je l'ai déjà améliorée. Non? Ah bah non. Je ne l'avais pas amélioré. Nous l'améliorons. On en reste là. On passe au breloque. N'est pas amélioré non plus. Voilà, je suis à jour là. Vous êtes d'accord avec moi, quoi? Mais les grosses compos, je les garde. Amulette. Bobelotte. Et la bannière. Idem. J'ai claqué tout mon flouze, hein. Oh, peut-être que je devais pas faire ça. Pas grave. De toute façon, le jeu, je vais le pex, les gars. Donc là, sans améliorer les deux. Celle-ci, proche, je peux pas l'améliorer plus. Parce que ça me coûte de l'essence. Ok, on est bon. Je suis opérationnel, les gars. Allez. On va tester tout ça. Different. Something's happening. The Ethereum. It's difficult ah bon? To hold so much. Something's wrong. Qu'est-ce qu'il y a, Athéna? Problem. No. Je sais pas si quelqu'un a fait le paradoxe, la parallèle avec les chevaliers zodiaques comme moi. Ah. Donc là, c'est des dégâts d'eau. Est-ce que l'eau craint quoi? La terre, je sais pas. Débloquer une compétence. Ah oui. Donc là, j'avais un point de talent à utiliser. Synchrone. Alors, pendant la fenêtre de tir, bien sûr. Ah oui. RT pour effectuer une attaque synchronisée lourde. 500% de dégâts et consomme votre fureur. C'est pas mal. Alors, finesse, c'était ça. On m'avait conseillé de prendre finesse. Votre finesse fait. Une parade est 10% plus longue. C'est-à-dire, je comprends pas. 100% plus longue. C'est la glissade qui est 10% plus longue. Chance de coup critique. Donc, ça, c'est super. 10% de chance de gagner la bénédiction de chance. C'est un buff. Lorsque vous effectuez un coup critique. Mais la bénédiction, elle reste combien de temps? La bénédiction de chance. Une bénédiction, quoi. C'est un buff, mais combien de temps il dure? Voilà, les builds, c'est complexe. Je suis obligé d'y aller un peu à l'aveuglette pour l'instant. Ça, c'est un point que j'ai mis ici, mais si je l'améliore pas, ça sert à rien. Atteignez. Arme. Donc ça c'est bien pour la double lame parce que c'est là c'est pas ce que je joue. Je vais l'enlever. Non? Non, je vais pas effacer tout. Restitution point. Voilà, juste ce point-là. Ok. Donc là j'ai 2 points, 3 points mètres. Oh. Bah, je peux le monter max celui-là. 10% de chance de gagner. La grande bénédiction de chance quand vous effectuez un coup critique. J'ai rien par rapport au poison, hein. L'état primordial dure 20 secondes de plus. Lorsque je pars une attaque, m'en fous un peu. Pour l'instant. La colère d'Archon, je l'utilise pas tout le temps. Ça, c'est plus de vitalité, ça peut être pas mal. Et je pense en avoir besoin. Mais je vais monter tout ce qui est. Je vais monter celui-là, sur le coup critique. Oui. Pour l'instant, allez hop. On va se transprendre la tête non plus. Voilà, ça active les spells, les skills. Et on est bon. C'est bon. Bon, ben on peut y aller. Alors pourquoi là?
Explorer le royaume. Okay. Bon, on va ici. Hein. 10 pièces de valeur. Une amplification rare, ok. Ah bah allez, on y va. On y va, les gars. Isman, tu peux fermer la porte, s'il te plaît ? Isman, ferme la porte, s'il te plaît. Oula, la latence, les gars. What's happened ? Hostile. Ah. Bon, ça va, là. Il y avait eu un petit freeze. Mise à jour, les gars. Ah ouais, j'ai rien touché. Je vois pas pourquoi je devrais enlever encore de... Alors, allez sur le pont de la tour centrale. Oui, chef. Ça m'a l'air vide. Ah, mais donc c'est un endroit où je suis déjà venu ici. Pas besoin trop de fouiller, je vais aller là où ils me disent d'aller. Vu que c'est une zone de la map que j'ai déjà faite. Et les gars. Ça, c'est le coup léger, hein, en vrai. Ça, le coup lourd. Oula. Ok, donc on peut leur envoyer les flèches. Boum. Boum. Alors, le truc du brise-lame, j'avoue que j'ai pas cerné à 100% le sujet. Je vais aller là-bas ou pas ? Alors, le petit boost qui s'active quand tu cours vite pendant un petit moment, non ? Si. Hey. Voilà. Petit effet visuel et plus plaisant. Waouh. C'est magnifique. Open the door. Chevalier du Bélier, entre dans le temple. Ça mélange, je sais pas, l'architecture, on dirait du Destiny 2. Les pyramides dans Destiny 2, regardez. Non ? Ah, la tour centrale, c'est quoi ? Ça me fait penser sur les... Tiens, j'ai... Vous savez les jeux mobiles, où il y a des étages dans les tours, là. Et on doit monter les étages petit à petit pour débloquer la tour, l'étage suivant, etc. Pour avoir des récompenses une fois qu'on a clean. Tiens. La première fois que j'ai vu un... ça là, c'était dans Punch-Out sur Nintendo. La super, la NES. T'avais Tyson. Ses yeux clignotaient. Tiens. Pour avoir la ref, hein. Bang, 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 bang. Bon, l'animation, c'est les mêmes, peu importe le marteau, hein. Je pense. Je vois que les animations, c'est les mêmes. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres animations. Je sais que j'en demande beaucoup, peut-être. Voilà, on y va. Oui les gars, me casse pas comme ça. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Ah. Finish him. Oh non, j'ai claqué ça pour lui. Alors, des fois on a des timers. J'avais fait une mission où j'avais 5 minutes pour tuer le boss. J'ai pas réussi parce que j'ai traîné un peu. Mais à quelques secondes près, bon, il y a des récompenses, je sais pas. Alors pourquoi continuer à me donner du stuff de merde? Pour le recycler. Alors, bon, là, ce marteau... parce que c'est laquelle la meilleure arme que j'ai, en gros?
Pas sûr là. 64, 66. Non, parce que là j'ai. Oui. J'ai plus de. Non, non, non. Dégagez les gars. Alors le bouclier. C'est pas? C'est bizarre. On dégage. J'ai l'impression qu'il n'est pas possible de cancel une anime. Je sais pas. Alors en fait, on peut jouer à 3, pas à 2. Mais il n'y a pas de matchmaking. Est-ce qu'ils vont le rajouter? Va savoir. Ce serait pas mal parce que c'est un jeu. Je sais pas s'il peut plaire à tout le monde. Est-ce que tu vas trouver des collègues à toi qui vont payer le jeu? J'en sais rien quoi. Hier j'ai joué avec un follower. C'était cool, mais je sais pas si ça va se produire tous les jours. Voilà, je joue pas à une heure tardive donc. Ah, oh. Hop, hop, et hop. Voilà. Oh, ah, t'es touché, toi. Là, je crois que c'est attaque du sud. J'ai balancé le bouclier. Ennemi. Victime, brise-lame. Ah! D'accord, donc c'est ça le brise-lame. Ok, c'est le brise-lame. Non! Faut pas que je le tue. J'ai tué, ça a pas compté. Attends. Ah bah c'est juste des coups critiques. En fait, c'est juste des coups lourds. Une fois que j'ai monté, par exemple, voilà, je lui monte, voilà, là. Et là maintenant un coup lourd. Voilà. C'est ça le brise-lame, c'est tout simple en fait. C'est d'abord coup léger, et après coup lourd. Un coup léger, un coup lourd. Voilà, j'en mets qu'un seul parce que sinon je le tue, mais. On est toujours dans un tuto où je rêve. On y va. À tour centrale. Ah, va monter d'étage. C'est comme ça qu'elles sont agencées les tours ici. Ok. Une petite épreuve, on monte. Une petite épreuve, on monte. Tout ça, tout ça. À chaque fois, ils vont me demander d'accomplir quelque chose en fait pour mieux maîtriser mon personnage. Ouais, que je vous ai pas grillé, les gars. Allez. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Une épée. On va la regarder quand même, hein. Alors, elle est que level 10? Alors que le PNJ me vend du level 16. What's happened? DPS feu. Bon, on va la garder à gauche, mais. Je sais pas, hein. Ça me rend pas full life. Voilà. Oh, je me suis protégé. Attends. Bouclier, c'est bien. Mais on dirait qu'il sort pas tout. Vas-y. Voilà.
comprends pas. Attends, j'appuie, hein. On dirait que l'animation empêche le fait de sortir bouclé, mais ça, c'est pas ouf. C'est pas. Pas sûr. C'est hyper beau, les gars. On va dire qu'ils ont pas travaillé les décors, hein. Alors, on peut pas tourner la vue pour être devant son personnage. Le personnage se tourne, forcément. Pour le voir de face, on ne peut pas. Ouh là 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 là. Alors, temps restant. De l'orbe. Faut faire quoi? Je comprends pas, il faut que je fasse quoi, les gars? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Temps restant de l'orbe sol flamme. Alors, j'ai oublié de faire un truc, c'est ça. Non. Non mais... Ah mais comment on pose la bannière? C'est pas flèche du bas? Non, parce que flèche du bas c'est ce... c'est le demi-tour. Ok, il y a une espèce de flou là sur cette zone. Ok, c'est tout. Bon, allez. Des petites compos. Hein. Alors, est-ce qu'à un moment donné, je vais remettre du vert qui serait mieux que ce que j'ai. Je ne sais pas, c'est possible. Une breloque même à l'air grise. On continue l'ascension dans la tour de l'enfer. Alors j'avais une question, c'était quoi? Juste avant j'ai posé une question, j'ai oublié ce que c'était. Dégage. Alors, pour un contre, faut taper au bon moment. Voilà. Là, il est étourdi. Et c'est là que je peux taper. Ah! Donc lui, on dégomme. Ok. On esquive. On lance le boubou. On fait un finish him. Et on l'explose. Gravir la tour centrale. On est arrivé. La tour centrale. Enfin, elle s'arrête au moment où je tue le mob, quoi. Bon. Mouais, mouais, mouais. Ah. Je suis arrivé. Ah, je suis arrivé. Bah, c'était long. Je suis arrivé dans le monde aquatique. Le monde aquatique. C'est pour avoir l'armure, une armure d'eau sûrement quoi, une valor plate. Activez le relais crépusculaire, c'est fait chef. Ah bon? Quoi? Oh. La mission est finie quoi. Bon. J'ai activé le deuxième monde en gros. C'est une phase de transition entre les mondes. Une tour à chaque fois, à mon avis, qu'il va y avoir pour passer d'un monde à l'autre. Et puis après, j'ai la suite de la map. Bon, là, je pense pas que j'ai looté des trucs de ouf. Je crois pas. Elle m'a donné une amplification. Je papote et je regarde le stuff juste après. Macros has put up a barrier around Lunara's lair. He doesn't waste any time. I'll break the barrier. I just need to know where it's coming from. Comme il dirait Julien Chiez, on est en totale immersion. Non,
Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire Profite, profite, frérot. Passe un peu tes prix. Hein. Ouais, super. Bon, ils me font papoter. Il y a deux PNJ dans le jeu, quoi. Celle-là, l'armure de Sparda, vous direz pas? On dirait pas? Bah, en féminin, mais on dirait l'armure de Sparda pour moi. Devil May Cry. Je peux pas en acheter une autre, hein. Si c'est celle-là, l'armure d'eau. Non, gel. Pas. Celle-là, c'est celle que je préfère. J'aimerais avoir le plus. Celle-ci, je peux la fabriquer. Mais j'ai que 5 cœurs de valor plate. Et ça, c'est l'armure qui m'intéresse pas. J'ai pas besoin de l'avoir. Elle ne m'apporte rien de spécial. Et celle-ci, c'est pour la malédiction. Et je n'ai pas les filaments. Celle-là, j'ai pas non plus. Celle-là, elle est badass. J'aimerais bien l'avoir aussi. Filament. Et celle-ci, c'est pour quoi? Ah, c'est pour tank. Ouais. Tu baissais 5% de dégâts, moi. C'est pour tanker, quoi. Peut-être après, tu peux faire des compos si tu joues à 3. Donc, du coup, tu prends un DPS, un tank, si ça. Alors, elle, dégâts faibles, ce serait plutôt... Je pense... tout ce qui est attaque speed et tout ça. Un perso qui soit un peu rapide. Ça, on dirait Black Panther. Et elle, c'est basé sur la chance de coup critique. Donc, du coup, ce sera avec un build chance de coup critique. Je n'ai pas d'orbe du néant. Donc, je ne vais pas pouvoir t'acheter Black Panther. Ça, je l'ai. Et ça, c'est ma première armure. Ok. Bon, bah. Pour l'instant, je peux rien faire. Allez. Lunara resides beneath the luminous shelter. But we can't get to her yet. Macros has placed an impenetrable barrier over the entire area. Before we can battle Lunara, we'll need to take it down. I've detected OK. Lunara, c'est le boss que je dois tuer en fait. Ou c'est un demi-boss, je sais pas encore. Oh. Oh terre. Tour des épreuves. Non, attends. Ah. Ici là, pour des épreuves, pièces de valeur. Ouh, bah j'ai de quoi payer. Parce que là, on dirait que j'ai pas tout sur cette map. On dirait que je l'ai pas clean. Un seau à queue, 5 pièces de valeur, 2 anneaux rares. Détruisez la lune du tourmenteur, détruisez la barrière défensive de Macro autour de l'abri lumineux. Franchement, je vais pas aller ici, je vais finir ça. Hein. J'aime pas bâcler les gars. C'est niveau 5, je sais pas. Bah, je vais rester là pour l'instant. C'est pas clair là où exactement je devais aller. Peut-être parce que je lis pas bien. Pas concentré. Ouais, là où j'étais. Bah c'est bon en fait. C'est un peu... Là, les couleurs, c'est un peu... Lâche, quoi. Je reproche aux couleurs. Peut-être que... C'est un peu flash, les couleurs, non? La luminosité, j'ai pas touché? Je sais pas, il y a un truc. 6. 5. On va laisser 5. Ouais, bon. Vous voyez, le DPS, il a l'air d'être suffisant. Sauf que claquer mes compos que j'avais là pour améliorer une pièce en plus, en gros, ça servait à rien. Non, non, il faut que je les garde. Alors, comme dans toute phase d'exploration, on va au moment indiqué, au dernier moment. Faut que tu te calmes. Ah, nouvelle compo à farmer, très jolie, ça ressemble à tout ce qui est Destiny 2.
les petites coffres, les petites breloques là qu'on prend. Loot. Et ça, c'est le codex. D'accord. Je lirai le codex plus tard. Ça donne pas mal d'infos à ce qui paraît pour aider à la compréhension du jeu, des patterns des mobs, des armes, de tout quoi. Voilà. Le kiff sur ce coup, il est mortel. Alors, je viens d'où, moi? Je viens de là, je crois. Ce que j'ai fait, je suis arrivé, j'ai... Je sais plus. J'aurais pas venu d'ici? Ah, en fait. On va fouiller gentiment les poteaux. Là. Oh non. Oh, mais non. Ah. Merci de m'avoir débloqué. Parce qu'à un moment, je fightais, j'étais bloqué, j'ai... C'est cool, ils peuvent pas juste réparer la texture? Ça évitera que des petits noobs comme moi tombent dedans deux fois d'affilée. On remet dans le droit chemin, enfin. Là, vous m'indiquez. Obligé d'y aller? Moi, vers tout? Déjà? Allez à l'asile. Oh. Peut-être ça va activer les mobs une fois que je vais y aller alors. Bon, j'y vais alors. Il n'y a pas plus de mobs, ils font pas rire. Wow. J'ai dû sortir les grands moyens les gars. Oh ce qui me met. Oh. Je vais devoir mettre des points en vitalité hein. Vous en pensez quoi? Prochain level j'augmente ma vitalité de toute façon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être la vitalité c'est pour un spé tank mais pour l'instant vu que je connais pas encore bien les builds et tout. Et ça, j'aurais pas dû commencer à me gaver. Dégage. En fait, ça les renverse. Voilà. Cool, non? Oula, oula. Ok. Dégage. Ok, on est bon. Mais j'ai plus de life. C'est quoi ici? Je sais pas si vous êtes comment, vous êtes attiré par tout sauf le point d'intérêt, le centre d'intérêt. Ça ne sert à rien. On va y aller. On va y aller, il y a sûrement quelque chose à activer. Je sais pas où il se passe. Il a eu très efficace. Là, j'ai pas l'impression de les avoir bien touchés. Là, c'est pareil. Plein de chemin. Hein.
me montre la map dans sa totalité, j'ai l'impression. La map haut. Va sûrement se passer un petit... Oh! Ah, niveau 17. Cool. Donc là, tout de suite. Armurerie, je pense pas que j'ai du lourd. Du level 11, de la merde. Du level 10. Pierre de vie. Level 10. Une breloque. Level 10. Pour l'instant, j'ai pas trop m'attardé dessus. Ça, c'est du gris. Et l'amplificateur. Level 10. Ok, donc rien de spécial. Par contre, compétences. On va augmenter la vitalité. Mon poteau, est-ce que je peux l'acheter? Oui, je l'achète tout de suite. Level 17, j'approche du level 20, ça va jusqu'à 50, je crois. Je sais pas pourquoi à chaque fois je claque mon ulti quoi sur le dernier petit mob qui reste tout fragile, n'importe quoi. C'est bon. Les décors sont incroyables. Oh. Magnifique. Je crois que la map est grande ici. Another seal. Alors là, il faudra activer ou un truc comme ça. Ah, rechercher les sources d'Anterum. Ah, mais ça c'est... Oh là là, c'est beau. Bon ben on y va. Mince. Je pense que c'est des compos pour bah pour acheter les armures justement. Non. Ce n'est pas un mob. Merde. Brise voile. Comment ça? Alors brise voile les gars, c'est quoi? Les mobs vont pop en boucle jusqu'à que je charge mon brise voile. J'ai pas l'impression de le charger. Pas trop, 33%. Donc une fois que je vais tuer les 3, bah ça fera 3, ça fera 100%. Ok. Je vois pas trop ce que c'est. Hein. Donc là, 74. Une seule, bon ça va. C'est à côté, tout est à côté. Non, non, non. Voilà. On en abuse. J'utilise pas assez le renversement. Renversement est égal à finishim en fait. Voilà. Tiens, tiens mon frère.
Donc là, je pense que c'est la mission principale que je suis en train de faire.